Salut à tous! Salut! On se retrouve aujourd'hui dans Simslanta! Oui! Un remake de... Koh-Lanta! Voilà, on s'est amusé à faire ça. Bon, on a fait ça un peu à notre façon, donc... Bon, on espère quand même que ça va vous plaire. Je parle en ton nom aussi. Oui, t'inquiète. Alors là, on commence directement avec la première épreuve. Donc en fait, le but, c'est... Ils vont devoir arriver sur leur propre île le plus rapidement possible. Et le premier ou la première arrivée, en fait, gagnera un avantage pour la deuxième épreuve. Mais ça, on vous en reparlera un peu plus tard. Donc ils sont à fond là, ça touche le sable. Et c'est Isabelle la première. Suivi de Sébastien, de Sarah, Claire, Alexandre, Alice et Christophe. Et le dernier, c'est Florent. Ils ont tous envie de faire pipi. Alors voilà, là ils sont sur leur île. Donc ils commencent un petit peu à faire connaissance. Est-ce que vous sentez ce qui va arriver? Donc là, vous avez un petit aperçu du camp, de ce qu'on a fait. On a voulu faire un truc très simple, n'est-ce pas? Ouais, plutôt pas mal, hein. Plusieurs petits espaces, coin détente, repas. Ça s'isole déjà pour discuter. Moi, je sens un petit feeling dans tout ça, hein. Ah oui. Petit coquin. Et voilà. La panique à bord. Christophe, il en avait rien à faire. Hein. Il cherche encore des coquillages. Hein. Ils sont paniqués, ils n'ont pas conscience qu'ils ont un peu de l'eau à portée de main. Oui, c'est vrai. Ah, quelques images peuvent heurter. Et un deuxième incendie. Ce feu de camp, il est vraiment horrible. Hein. Ils sont en train de brûler. Ils sont tous en train de se barrer. Ah si, il y en a un qui vient aider. Ah bah heureusement, sinon il serait mort, je pense. C'est une catastrophe, hein. Bon, ils vont plutôt bien, ils sont déjà en train de manger. C'est la vie, hein. Bon, ça va se coucher. Je pense que c'est le mieux, hein. Pour la première journée. Ouais, prendre des forces. Ça va jeter les poubelles. C'est très important de jeter les poubelles quand on est dans la nature. Alors là, ils partent pour justement la deuxième épreuve. Alors on va vous expliquer. Du coup, c'est Isabelle qui a gagné la première épreuve. Elle a donc gagné, en fait, un avantage. L'avantage, c'est de choisir, en fait, deux de chaque équipe pour cette épreuve. Pour se confronter à une autre épreuve pour les nominer pour la soirée du feu de camp. Voilà. Donc, en premier, elle a choisi Alice. Elle explique un peu pourquoi, hein. En deuxième, Florent. Bon, ça l'embête un peu, mais bon, elle est obligée de choisir deux personnes de son équipe. Ouais, donc l'équipe noire et l'équipe bleue, hein. Parce qu'on n'a pas précisé, mais je pense que c'est visible. Voilà, donc de son équipe, c'est Sébastien et Sarah. Donc ils vont devoir courir. Les premiers à stopper, ben, seront nominés. Est-ce que vous avez des avis pour les premiers qui vont descendre? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, la Sarah, elle est tendue, hein? Ouais.
Bon, les garçons ont l'air assez sportifs, hein. Oh, ah. Bah, tiens. Premier nominé et... Sébastien, oui. Et en deuxième, Alice. Alice, bon bah. Les nominés sont Sébastien et Alice. Voilà. Donc les autres ont pu stopper et aller s'asseoir. Bien sûr. En troisième, c'est Sarah et en quatrième, Florent. Voilà. Voilà, oui. Pour le classement. Bon bah du coup, ils prennent du repas, sont venus sur leur plage. Profite d'un moment tous ensemble avant l'élimination de soit Alice ou Sébastien. Oui, parce qu'après c'est le feu de camp, c'est ça? Oui, exactement. Ah oui, voilà, parce que j'ai parlé d'épreuves, mais non, après il n'y a pas d'épreuves, c'est le feu de camp. Je pense pas que Christophe est au courant qu'il peut aller s'asseoir. Ouais, mais je pense que le plat là prend toute la place. Oui. Ah, l'heure est venue. Le suspense est à son comble. Ils sont stressés. Qui de Alice ou de Sébastien va quitter l'aventure? Et la première à aller voter, c'est Isabelle. Mais on verra ça dans l'épisode prochain, c'est-à-dire demain. Eh oui, un peu de suspense. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Oui, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. À demain, salut. Salut.